Prendre donc, bien le voilà, Pierre-Yves Béni du club d'Orléans. Orléans qui viennent juste de terminer la Coupe d'Europe des clubs. Ils sont champions d'Europe des clubs. Alors ils sont, en fait, ils ont travaillé ensemble hein, à Orléans. Ouais. Avec Nikolaï Kroukov. Voilà, première partie du mouvement très bien réalisée. S'il n'y a pas de faute toujours, la triple russe, regardez, le corps est plat, les jambes sont serrées. Pierre-Yves Béni qui... de compétition en compétition progresse. Attention ici. Oui, aïe, 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 c'est dommage. Ouais. Ah là, là là, au moment où je disais qu'il progressait, justement. Mais il est tout jeune, en fait, dans le circuit, Pierre-Yves Béni. Hein. Plus spécialiste des anneaux, d'ailleurs, que des arçons. Allez, c'est reparti. D'ailleurs, on le reverra tout à l'heure, hein, au final des anneaux. Au demi-tour et la sortie à l'équilibre. Ah, voilà. Dommage hein, qu'il y ait eu cette petite faute de Pierre-Yves Béni à la fin du mouvement. Et bien entendu, cela se ressent sur la note. 8,937 pour Pierre-Yves Béni qui est pour l'instant dernier du concours avant le passage eh bien, d'Éric Casimir.